Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je serai jaune, elle sera rose. C'est une vidéo où on n'est pas en France, on est en Espagne, la famille. Donc, on va pouvoir tester les nouveautés espagnoles en mode jaune vs rose. Hola, amigos, comment ça va? Pourquoi tu fais genre tu parles en Espagne? C'est moi, je fais ce que je veux. Ok, désolé. On arrive dans un grand centre commercial, on va essayer de trouver des ingrédients vraiment pas mal pour la vidéo. Est-ce que tu penses que l'Espagne, ça bouffe la France? Non. Tu vas voir, je vais l'emmener dans un magasin les règles pour le petit déjeuner. Ça va être une masterclass. On arrive au rayon du petit déjeuner, j'ai vraiment beaucoup de choix. C'est pas comme en France où il y a que deux paquets, regardez tout ce qu'on peut prendre. On a trouvé une première barre, on a des gâteaux comme ça. C'est des 3,25€. Ah, cette journée ça va être ultra chaud. Là c'est des gâteaux de la punition. Myriam m'a trouvé plein de gâteaux, j'ai trop de choix. Et l'esbigné, je sais pas quoi. Ça c'est vraiment dans tous les pays. Là moi j'ai trouvé ça pour commencer. Ça, s'il n'y a pas ça en France, c'est du cubabinito. C'est vraiment un nom très difficile à dire. Par contre, il y a ça, il y a aussi en France les gars, mais par contre la triche pas, c'est violet, c'est pas rose. Ouais, je sais, ça t'as pas le droit de prendre. Oui, ça, mais ça, merci pour ta confiance. C'est comme j'aime pas. Oh, trop bien, les gars. On a trouvé notre petite boisson du petit déjeuner. C'est des petites boissons à la vanille. Et toi, c'est quel goût? Moi, c'est fraise. Fraise, vanille, carré pour le petit déjeuner. Mais c'est pas possible, tous les bonbons. Il y a du jaune, du rose. On va pouvoir se mettre bien. Ah, mais j'ai oublié un truc. Je hais les bonbons. Donc, je vais te laisser ce rayon là. Moi, je veux pas de bonbons. J'ai trop bien fait de changer de rayon, les gars. J'ai trouvé une tablette de chocolat jaune avec des Smarties. Wow, il y a pas ça en France. C'est un nouveau truc. Il y a du jaune, il y a pas de rose. Je sais que je suis un peu bizarre, mais pour le petit déjeuner, j'ai trouvé des chips. Les gars, il y a du rose fluo, donc normalement c'est validé, ça c'est des chips hot spicy. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour les finir, hein, ça. A few moments later. Bien, pourquoi t'es dehors? Bah parce qu'on laisse une SPI, moi j'ai pas d'argent, de toute façon j'ai pas de poche. J'ai en train de danser. Tu vas ralentir. Alors comme ça ils me font payer, mais c'est pas grave les gars. Quand on dépense pour s'alimenter, ça fait plaisir. Venez voir, j'ai découvert une dinguerie. GTA, vous connaissez GTA, il y a les banques de GTA, venez voir. La même chose que dans le jeu, regardez, ATM et avec la caméra. Par contre, faut pas trop faire les fous, on leur a juste un petit souvenir. Hello. Ça, c'est ma meilleure chose du petit déjeuner. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est quoi cette masterclass? Il y a qu'en Espagne que tu peux trouver ça. Vas-y, goûte ton jus. Alors, ça vient du bout de la fraise. En gros, tu vois les glaces là que tu trouves à la cantine, c'est ça? Trempez ça dedans, les amis. Wow. 1, 2, 3, bismillah. Alors? Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais tomber sur un truc fondant, mais à l'intérieur c'est dur. Il y a énormément de chocolat, j'ai mal aux dents tellement il y a du chocolat. Mais franchement, à manger une fois de temps en temps pour le matin, pour les vidéos par exemple, c'est vraiment vraiment super bon. Pour tester, je vais tester ça, c'est vraiment un truc attendu. Sachant que des biscuits roses, c'est quasiment impossible à trouver, ça coûte 1€ comme elle a dit. On dirait une bûche de Noël. Ouais, mais en rose. Oh, c'est trop beau. Est-ce qu'à l'intérieur il y a un coulis de fraise? On dirait les gâteaux de mariage. Le gâteau il est incroyable. En fait, à l'extérieur, c'est genre c'est du coulis de fraise. Ah ouais, les gars, je vais tremper dedans, on va essayer. Wow. La bouche arrête. On commence super fort pour le petit déjeuner. Je compte sur vous pour cette vidéo comme elle est assez spéciale pour en France. Atomisez la barre de like, je compte sur vous, mettez un like chez vous. Oh là là, et les gars, on continue. Avec une nouvelle masterclass, chocolat M&M's. Oh là là, la marque c'est quoi? La Casitos. Oh, il est fondant le chocolat, wesh. Oh, c'est incroyable, le chocolat comme ça, c'est le meilleur. Il y a des Smarties! C'est trop bon, les gars, faut que je vous montre! Il y a des Smarties! Regardez le truc vert là, c'est un Smarties, c'est trop bon! Pourquoi t'as fait? Il y a des Smarties! Parce que, genre, dès que tu crois que ça devient un Smarties à l'intérieur, c'est incroyable! Oh, regardez, y'a qui? Ça va? Oh non, il va vous regarder. Désolé, je donne pas de gâteau au chat parce que j'ai pas envie de l'empoisonner. Là, on va goûter les bonbons. Ça, c'est les. Vous voyez, c'est comme les Scooby-Doo là en France. Scooby-Doo, il a pas trop de goût, ça a plus le goût du sucre. Voilà, les bonbons en France, ils sont beaucoup mieux que l'Espagne, je le savais, ça se voyait dès l'emballage. C'est hot spicy, moi. Fais gaffe, c'est hot, ça pique à la mort. Je sais, c'est comme la chip la plus piquante du monde. Et en même temps, j'ouvre ses gaufrettes, les gars, j'ouvre ses gaufrettes parce qu'elle a trop d'accessoires pour le petit déjeuner. La chip, ça a l'air pas d'être si piquante que ça en fait. Non, là, c'est trop. Les gars, je vais goûter la boisson, je suis pas chou. Ça rajoute du piquant! C'est vraiment piquant, combien sur 10? 10. Ouah les gars, petit déjeuner est validé pour notre part. Moi je mettrais un bon 8 sur 10, la famille, c'était super. Les gars, on arrive au milieu de la journée et là on a un gros défi. Regardez, il y a un jeu où on peut avoir des sucettes rose vs jaune. Celui qui a une sucette prend la couleur. Par contre, si c'est une sucette jaune, j'ai le droit de la prendre. Sinon, si c'est rose, j'ai pas le droit de la prendre. Je pense que la sucette jaune qui va tomber, c'est sûr. Roi de 1, go! Attention! Numéro 1! Qu'est-ce qu'on va avoir? On a une sucette orange. Ça se rapproche grave du jaune et du rose. Je te la laisse, je suis un beau, je te la laisse. Oh, merci. Par contre, ils sont... Ouais, elle a gagné, ouais, rose. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, 1€, une sucette. Comment ces deux pigeons là, ils peuvent rigoler? Oh, c'est jaune, oh, c'est orange. Pour le repas du midi, les gars, j'ai repéré une épicerie espagnole. Il y a des choses roses et des choses jaunes. Ça va être un repas de la Hesse, Myriam. On va voir qui de moi ou Myriam va faire le meilleur repas. Mais attends, moi, je suis habillée en rose. Ouais les gars, je suis dégoûté, j'ai pas d'habit jaune. Bon les gars, nous on va aller manger, on va se faire courser sinon. Mais Younes, ça va pas être un repas de la Hesse, c'est un repas banger. Regarde, il y a du Fanta Rose, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les gars, il y a des boissons incroyables, tu prends le Fanta Rose? Ouais. Vas-y. Ok, Fanta Rose. Pour ma part les gars, je vais prendre une boisson inédite, regardez. Du Schweppes Zéro Tonic au citron, c'est une dinguerie, c'est jaune. Il y a aussi une boisson qui s'appelle Desperados, ça a l'air d'être... Mais non, c'est de la bière. Quoi? Bah oui. Parfait.
trop bien, il y a des yaourts jaunes gélifiés au citron. Je continue pour mon repas de consistance, ça va être un croissant salé avec du thon et corne. Corne, je sais pas ce que c'est, ça doit être de la salade, j'espère. De toute façon, on l'ouvrira parce que là, il y a une émoji de jambon. J'espère que c'est pas du jambon. Les gars, j'ai trouvé des téikis. Les gars, parce que là, je l'ai jamais goûté. C'est des téikis comme ça, moi, je crois. Volcano, c'est-à-dire ça pique à la mort. Oh, il y a même ceux-là. Wesh, et je prends lesquels des deux? Prends des noms piquants parce que tout à l'heure, c'était chaud les piquants déjà. Ouais, il y a la même couleur que mon maillot, regardez, ça a sorti. Ah, trop bien. Faudra qu'on les cuire. Ouais. Faudra qu'on les cuit au. Non, on les cuit à la casserole. Non, c'est du sirop de frais, ça n'a rien à voir. Ouais, je sais. Trop bien, il y a du chocolat à la fraise. J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Tu penses que ça va être bon? Je sais pas, en vrai, la fraise. Tu vois ce que j'ai mangé, le chocolat au Smarties? Ils l'ont même au chocolat blanc. Eh, c'est trop bien. 2,45€, c'est un truc de ouf. C'est pas cher. Hein. C'est vraiment ma phobie des cookies au citron. Ça doit être dégoûtant. Tu sais pas, parce que t'as pas un vrai. Moi, ce que je vais partir sur des donuts, les gars. Donuts, 1,50€, regardez-moi ça. Au bon chocolat fourré, ça a l'air d'être incroyable, les amis. Ça, les gars, c'est les cookies qu'on a chez nos mamies et nos papis. Attends, et laissez-moi finir. Et ça, c'est mieux fait maison, tu vois. On va s'abstenir de ça. J'avoue, ça doit être claqué au sol. En plus, c'est ultra sec, ça t'assèche la gorge. Pour les anciens qui connaissent la panthère rose, tu connais le dessin animé. C'est trop beau. Franchement, en France, on n'aurait pas eu autant de choses roses. C'est parti pour le repas du midi. Vraiment très bizarre, les gars. Mais comme on n'est pas en France, on a pris les meilleures choses possibles. Je vais commencer par le big croissant. J'espère qu'il n'y a pas de jambon. Sinon, ça va être le ramadan. Il y a du jambon. Moi, je pense qu'en vrai, il y a du fromage. Après, c'est possible qu'il y a du jambon parce que. Au niveau de la taille, il est vraiment balèze. Regardez comment il est assez grand. Alors, on va regarder à quoi à l'intérieur. Oh, il n'y a pas de jambon. C'est à la catalane. Vous connaissez la catalane? Est-ce que tu connais, toi, la catalane? Ouais, la catalane à la mayonnaise. Ceux qui savent, vous êtes vraiment des bons. Ouais, dites en commentaire ce que vous savez. On va goûter, Alors? Ouais. Le croissant est bon, la catalane est bonne, ça fait un bon mélange. Franchement, je kiffe parce que c'est quelque chose que je mange jamais dans ma vraie vie. Et ça, je prendrais trop dans un pique-nique. T'as vu quand je fais des pique-niques avec l'école? Sandwich pique-nique. C'est vraiment validé, les gars, c'est vraiment bon. T'en penses quoi, Yacine? Franchement, c'est grave original et ça a l'air bon. Donc, moi, je mets une note de 8,5 sur 10. Ça m'a donné le sourire carrément. Moi, je vais goûter mes nouilles. Bon, mes nouilles, en fait, sur l'image, elles sont un peu bronzées et là, elles sont blanches. Ouais, en tout cas, c'est un bon paquet rose. Rien tombé parce qu'il y a grave des fourmis ici, les gars. Si vous saviez toutes les fourmis qu'il y a. Mais wesh. C'est quoi? Elle veut vraiment, je ne fais rien, mais s'il te plaît, Mireille. En gros, c'est des nouilles basiques au paprika. C'est des nouilles basiques. C'est simple, basique, incroyable. Ah ouais, ça passe. Ouais, c'est normal. Mais ce qu'elle a fait, les gars, c'est qu'elle a fait une deuxième dinguerie. Ce matin, elle a mangé des chips piquantes. Et là, elle a pris des téquises au goût de dragon. Mais elle est malade mentale. Est-ce que tu penses que tu vas assumer? Je sais pas. Mate la couleur, montre-leur la couleur. Oh là 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 là, là c'est bien de couleur. Prépare-moi mon zéro cigare comme je ça. Je te prépare ton Fanta. Allez, attends, mange pas. Les gars, ça a pris un Fanta à la framboise. Il n'y a que des goûts de malade ici. Oh, il est vraiment rose. Je mange tout, je mange la moitié. Mange tout. Tu manges tout? Assume, mange tout. Attention les amis, parce que ça va piquer ou est-ce que c'est pas très piquant? Sachant que le niveau de piquage il est à 5, ils ont. Ça goûte du paprika, mais sinon ça pique pas trop. Ça pique pas? Un peu, mais ouais. Ça vient après. Regardez comment ça pleurait des yeux les amis, et c'est une bonne chose. On va attaquer le flan citron. Alors ça c'est la première fois de ma vie. Quand vous avez un truc qui pique, ne buvez jamais de boisson gazeuse. Première fois que je vois ça, regardez, c'est gluant bizarre. Du flan au citron, ça a l'air d'être. J'ai jamais goûté du flan moi. Ça a l'air d'être bizarre. Ah regardez, c'est de la gélatine. Non, normalement c'est ce que tu fais. Ah c'est un bonbon. Faut trop que tu goûtes. Ça a le goût des bonbons. Je goûte. Je te jure, faut trop que tu goûtes, Mireille, parce qu'elle mange beaucoup de bonbons. Regarde, t'as l'impression de manger un bonbon. Ah ouais. T'as vu? T'aimes pas? Un bonbon au citron, les gars, c'est assez bizarre. Ça, c'est un truc que je prendrais juste en vidéo, mais pas dans la vraie vie. C'est bien gélatineux, regardez. Je sais pas qui peut manger ça. Genre, les Espagnols à l'école, ils mangent ça. Faut que je me rafraîchisse la bouche avec des donuts. Oh, ça, je compte vraiment sur ce produit là. Une tablette de chocolat à la fraise. Wow. Et à ce qui paraît, elle est fourrée. 1€, 1,50€, je crois. On va voir le. Eh hey, dans les chocolats, arrêtez d'ouvrir comme des sauvages, ouvrez proprement. C'est un Oreo donut. À l'intérieur, il y a de la crème Oreo. C'est vraiment très bon. Ah ouais? Oh là là, ça c'est violent. Ça s'appelle comment? Donuts Galetta. Bon 9 sur 10. Par contre, toi t'as de la fraise dans ta tablette de chocolat, ça va être assez bizarre. Et restez bien jusqu'à la fin parce que ce soir on aura un restaurant par un chef. Oh non, à l'intérieur c'est blanc. Vas-y, goûte pour voir le chocolat. Moi, je kiffe trop le chocolat, les gars, je suis un fan de chocolat. Est-ce que tu retrouves le goût de la fraise ou alors c'est juste du chocolat basique? Pas de goût de fraise. Pas de goût de fraise, c'est du chocolat basique. Mais pourquoi ils ont marqué fraise? Goûte. Attends, je vais sentir. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de goût de fraise. Je vais me rafraîchir un peu de Schweppes limon. Ah si, on voit un peu de rose. Ça, on dirait vraiment du doliprane, est-ce que c'est bon? Ouais, un bon goût de Schweppes, un bon goût de citron, les gars, pour le repas du midi. On a fait comme on a pu. C'était un bon repas de la Hesse. Moi, je mettrais la note de 7 sur 10 parce qu'on a découvert le croissant et les donuts. C'était vraiment super bon. Moi, je mettrais la note de 8 sur 10 parce qu'on a découvert pas mal de trucs incroyables. On est parti à la salle de bowling pour faire du bowling avec Myriam et Younes. Par contre, je vous impose une contrainte, vous allez devoir jouer seulement avec vos couleurs. Donc, toi, tu prends une boule rose et toi, tu prends une boule jaune. Par contre, Myriam, c'est quoi ces grosses baskets, cette nouvelle basket de l'école? Les baskets dans l'alcool. Toi aussi t'as les mêmes, Yacine? Ouais, c'est des crampons qui courent vite. On met les deux doigts comme ça. Mais c'est vert. Non, c'est jaune. Oh. Oh.
Elle nous a éteint, Younes. On a perdu. Le strike. Non. Je sais, il faut faire comme qui? Oh non, il va faire comme Malcolm. C'est ça. Genre là, ça va marcher. Oh! Strike. Oui. Il t'en reste une boule. Oui, oh, le recopieur, oh, le recopieur. Oh, le recopieur. Ah, s'il rate, je suis mort. Oh, elle est belle, attention. Ouais, la ligne 2, elle marche trop bien. On a pété que une. Pour le soir, il y a un cuisinier qui est venu spécialement pour Younes et Myriam. Par contre, il n'y en aura que un des deux qui aura droit de manger ce qu'il veut. On va leur lancer un défi au basket. On va voir qui va gagner entre Younes et Myriam. Citez-moi un joueur de basket. Myriam. Michael Jordan. Oui, sort le panier. Oh, 1-0. C'est quoi, c'est jouer au basket, hein? C'est une pro, c'est Michael Jordan. Quelle est la capitale des Grecs? Younes. Les kebabs. Oui, allez. Ouh, égalisation 1. Il a le droit, ça c'est. Un oula oup. Non, c'est un double pas. Citez-moi un membre de notre famille. Myriam. Omar. C'est gagné. Oh, c'est... Oh. Citez-moi trois ingrédients phares d'un tacos. Myriam. La viande, la sauce et le pain. C'est gagné. Oh là 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 là, Younes. T'es trop nul. 1m10, elle met des paniers à la Michael Jordan. Myriam a le droit de manger ce qu'elle veut. Les gars, c'est incroyable que la puissance de Michael Jordan soit dans ma frappe. Tu veux que j'ai le droit de manger ce que je veux, oh, tu vas te le dire. Oh là là, regardez les gars, elle a une fontaine de chocolat pour mettre dans le marshmallow. Dans le marshmallow. Oh la dinguerie, Myriam. Tu réalises un rêve d'enfance, hein. Waouh. Mais c'est une malade mentale, celle-là. Ok, regardez les gars, ça fait une assiette à dessert. Avec toutes les couleurs, il y a du rose, donc c'est carré, on va manger. Pour le repas du soir, on a un cuisinier qui est juste derrière nous, qui nous a fait à manger spécialement pour la vidéo, c'est une masterclass. Je vous présente mon assiette. Alors je me suis pris une pizza au fromage, des pâtes, ça c'est des croustilles aussi au fromage fourré, ça a l'air d'être incroyable, c'est pas des cordons bleus, c'est au fromage. Ici on a des croustilles aux champignons, des frites, franchement l'assiette elle est bien jaune, j'ai bien respecté mon challenge. Moi pour ma part j'ai pris des frites, une pizza margherita, regardez c'est elle a incroyable. Recopié toute mon assiette. Et avec du riz. Heureusement les gars qu'au niveau du dessert elle a changé, regardez, il y a du noir, du rose, du blanc, donc bien joué pour ton défi de basket. Ouais, donc les gars, on va commencer à goûter. Alors, ce qui me fait vraiment envie, c'est ça. En France, j'ai jamais goûté ça, les gars. Un roulé au fromage. Il est bon ou pas? On va voir ça tout de suite. Bismillah. C'est un délice. Le cuisinier derrière moi, franchement, il a fait du bon boulot. Le fromage est bon. Regardez comment c'est crémeux. Ça, franchement, ça me donne envie de prendre une frite. Une bonne frite au fromage. Mmh. Ah, les gars, je vais tester la margarita. Par contre, sur les margaritas de France, il n'y a pas des petits trucs verts là comme ça. Petites épices. Moi, pour ma part, je vais goûter dans la mayonnaise. Oh! Je vais la mettre dans la mayonnaise. Heureusement qu'elle a gagné le défi pour avoir plein de couleurs. Les amis, trouver des couleurs en Espagne, c'est archi facile. Dans les supermarchés, il n'y a que des couleurs différentes. C'est incroyable, il y a plus de couleurs qu'en France. Par contre, les goûts, je vous dis la vérité, les numéros 1, c'est la France. Les gars, en fait, c'est pas une margarita du tout. Genre, une margarita, normalement, il n'y a pas d'épices. Tu vois, il y a des épices, ça sent un petit peu. T'aimes pas trop la pizza. On va attaquer, les amis. Le croustille aux champignons. Je goûte pour vous, je sais que vous vous dites, je sais pas si c'est bon ou pas. Ah, ça a l'air bizarre, mais ouais, on va goûter. Pas bon? Ah, c'est pas bon. Okay, ah, c'est vraiment, vraiment pas bon. Regardez à l'intérieur comment c'est. La purée de champignons, c'est vraiment horrible. Moi, j'ai pris dans mon œuf, il y a deux couleurs. Bon, vous savez, c'est quoi un œuf? On va le tremper avec la mayonnaise. Par contre, la mayonnaise, c'est pas la même qu'en France. En vrai, c'est pas la même qu'en France. Non, pas du tout. Ils ont pas les mêmes aliments qu'en France. Genre, il n'y a pas toujours les mêmes choses et tout. C'est la première fois que je vois Myriam manger un œuf avec de la mayonnaise. Dingue. Non, à la maison, tu manges jamais ça. Tu pas, dis la vérité. Ouais, bah, parce que. Genre à la maison c'est que des œufs truqués, y'a pas de comme ça. C'est à dire qu'on sait pas faire à manger. Bon, ok, merci. On arrive au dessert la famille. Franchement, ça donne vraiment envie. Myriam, je vais te laisser goûter, je vais pas tricher. Pour ma part, les pâtisseries, je les ai goûtées. Pâtisseries françaises, c'est les boss. Je vous dis la vérité. Peut-être que j'ai goûté les mauvaises choses en Espagne. Nos boulangeries en France, elles sont trop sous-cotées en mode. Ça c'est quoi? Ça je crois que c'est un fondant. Oh, ça a l'air violent ça. Il y a plusieurs couleurs, ça a l'air de incroyable. À ce moment-là. On aura jamais trouvé ça en France. Ah ouais? Mais là les gars, c'est ça le pire. Un marshmallow. Vas-y, je te laisse goûter ça, ça a l'air d'être incroyable ça. Ça, c'est juste parce qu'elle a mis des paniers au basket, hein. Sinon, jamais de la vie, elle aurait mangé ça. Si, c'est rose. Ah, t'as vraiment de la chance parce qu'au niveau rose, il y aurait eu que ça qu'elle aurait le droit de manger. Le chocolat, tu sais, c'est du nickel là fondu. Ah ouais? C'est incroyable. Bon, les gars, la journée s'achève maintenant. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Allez, ciao.